Bonjour tout le monde, les amigos. Comment ça va, les gars? La vie de ma mère. La vie de ma mère, hein. C'est prêt, les gars, c'est prêt. La vie de ma mère, c'est prêt. La vie de ma mère, les gars, incroyable. La victoire, c'était incroyable. On les a bouffés au début, au milieu et à la fin, les gars. C'était incroyable, les amis. Mais c'est un truc de fou. J'ai pas les mots, les gars. La vie de ma mère. Malgré la pluie, malgré le mauvais temps, la vie de ma mère. J'ai eu peur au début, les gars. J'ai eu peur. La vie de ma mère, au début, on se faisait péter le cul dans tous les duels, les gars. Tous les duels, la vie de ma mère, c'est vrai. Oh, j'ai compris, les gars, c'était pour laisser du suspense au match, laisser du suspense aux téléspectateurs, les gars, mais c'est tout, les gars, c'est tout. La vie de ma mère, c'est tout. Ils sont nuls. Ni le championnat, ni la coupe Gambardella, rien, les gars, rien. La vie de ma mère, rien, les gars. La vie de ma mère rentre à la maison. La vie de ma mère, c'est dommage parce que vous avez une bonne équipe, une belle équipe, mais vous avez rien dans le mental, les gars. Vous bouffez que de l'emmental et c'est la vérité. La vie de ma mère, c'est incroyable, les gars. Hey, je comprendrai jamais cette équipe, les gars. Jamais. Oh, dès qu'ils perdent, ils commencent à faire des trucs de fou. Ils veulent se battre à longueur de temps. Heureusement, les gars, qu'on est plus intelligents que ces mecs-là et qu'on rentre pas dans leur jeu, les gars. Et c'est la vérité. La vie de ma mère, c'est vrai. Oh les gars, la vie de ma mère, c'est incroyable. Nous, ils veulent nous taper et nous, on rigole, les gars. La vie de ma mère, c'est incroyable. Oh hier, les gars, le meilleur recrutement, je vais vous dire c'est quoi, les gars. Je vais vous dire c'est quoi. La vie de ma mère, le meilleur recrutement qu'a fait le FC Porto depuis ces 2 dernières années. La vie de ma mère, c'est d'aller chercher des joueurs dans leur centre de formation. Ça, c'est tous les ans, les gars, tous les ans. Et faut pas changer. À quoi bon sert d'aller voir dans les autres clubs, quand t'as tout dans ton club à toi, en juste en dessous, les gars, la vie de ma mère, c'est vrai. Et le deuxième, vous savez, c'est quoi, les gars? C'est Pépé arrière droit, la vie de ma mère, João Mario, il est fort. Mais ce fils de je sais pas quoi, les gars, ce fils de lâche, ce fils de trompette, il a peur et il sait plus rien foutre. Il a cru qu'il avait pas de concurrence, les gars, la vie de ma mère. Quand il a vu Manafa à l'époque, il a rigolé, le mec, tu m'étonnes. Aujourd'hui, à Pépé, les gars, Pépé, il est incroyable. Oh, dire que le mec, il était ailier droit, la vie de ma mère, qu'on sait ça où il a su le remettre, arrière droit, les gars, mais c'est le meilleur. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie, les gars. Allez voir des compilations sur lui, sur YouTube. Et je vous garantis qu'il y en a, vous allez voir. Le mec, il prend le ballon au milieu de terrain. Tac, bim, bam, boum. Il dribble un défenseur, deux défenseurs, trois défenseurs, 10 défenseurs et il marque, les gars. Là, non. Là, c'est fini, les gars. Il défend, il attaque, il fait tout. La vie de ma mère, qu'il est incroyable, les gars. Incroyable, Otavio. La vie de ma mère, hier, t'as sorti le match de ta vie. C'est un truc de fou. Et c'est la vérité. Hier, t'as été incroyable. Malgré, tu t'es fait casser les jambes. La vie de ma mère, c'est vrai. Tu t'es fait casser les jambes. Même pas, il a sorti un carton jaune. C'est incroyable. Hey, hier, à un moment, j'ai cru que c'était du catch le match. Du catch, les gars. La vie de ma mère, c'est incroyable. Vitinha, t'as sorti une prestation XXL, toi aussi. Il faut le dire, les gars. Faut le dire. Oh, Fabio Vieira, qu'est-ce qui t'est arrivé hier? T'as perdu ton pied gauche, pardon. Oh, tout là. Il y avait ton daron dans les tribunes ou quoi? Oh, la vie de ma mère. Oh, les gars, vous avez vu? Tous ces coups francs, ça partait quand il ne jouait pas à deux. Ah non, non, hier, j'en pouvais plus, les gars. Hey, on a marqué une fois une combinaison à deux. Ça y est, les joueurs, ils veulent faire que ça, les gars. Ils veulent faire que ça. C'est incroyable. Oh, tu prends le corner, tu le tires. Il y en a qui attendent pour mettre la tête. Arrête de rendre fou, la vie de ma mère, c'est vrai. Oh, bordel. Donc voilà, les gars, c'est pas grave. On s'en bat les couilles. C'est passé, les gars. Hey. Les gars, je tiens à dire que celui qui passait la demi-finale dans ce match, les gars, c'était fini, les gars. Mais je m'en rappelais plus du match aller, les gars. Oh, on a un calendrier tellement chargé. On parle pas de leur calendrier à eux, les gars. Eh, ils sont éliminés dans toutes leurs compétitions. Tout, les gars, tout. Le championnat, bon, le championnat, ils sont là. Mais vas-y, c'est pour faire un peu de concurrence, pour faire un peu de suspense. Mais les gars, cette année, il est pour nous, les gars. Tondela, la finale. Tondela, mon frère. Le pire, c'est que la finale, elle est chez eux, les gars. Chez eux, la vie de ma mère. On va aller exploser le stade chez eux, les gars. Vous allez voir. Les gars, la vie de ma mère. Oh, je suis obligé d'en parler. Pépé, la vie de ma mère. Les gens, je pense qu'ils savent pas, frère. Hey,
Pépé, c'est mieux que l'assurance maladie. C'est mieux que l'assurance tout risque, les gars. Il est trop fort, les gars. Il est trop fort. C'est un mec. Même pas tu parles avec lui. La vie de ma mère, les gars. Ces gosses doivent se tenir à carreaux. C'est un truc de fou. Le mec, il te regarde, t'as peur, les gars. Il te regarde, t'as peur. Et c'est pareil pour les attaquants adverses, les gars. C'est un truc de fou. La vie de ma mère, il regarde l'attaquant adverse. Oh, il lui lâche le ballon. Il dit, tiens, 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 c'est bon, tiens. La vie de ma mère, c'est la vérité. Eh hey, les gars, 39 ans, c'est incroyable. Eh hey, vous rappelez ces années au Real de Madrid? Eh, la vie de ma mère, hein. Et ça me rappelle ces années au Real de Madrid, il était incroyable. Hey, depuis qu'il a signé à Porto, là, je ne touche pas de sa première, les gars. Il a été incroyable. On a été un tremplin dans sa carrière. Et la vie de ma mère que lui, les gars, même quand il va prendre sa retraite, il va aller sur le banc, les gars. Sur le banc. Et pas pour chauffer le banc, les gars. Vous allez voir, la vie de ma mère, vous allez voir. Imaginez, juste imaginez un truc, mais un truc, tu vois, parce que j'ai pas envie de virer le. J'ai pas envie de le mettre à la porte, l'assistant de compte, c'est ça, oh, les gars, il est chaud, la vie qu'il est chaud, il a le sang chaud, c'est ça qu'il nous faut, les gars. Mais vous imaginez un duo Conceição Pepe, la vie de ma mère, ils vont être plus suspendus que tous les joueurs de l'équipe, la vie de ma mère, c'est vrai, les gars, incroyable. Les gars, il sait tout faire, hier, j'ai appris. Il y a une semaine, j'ai appris que ça avait marqué des buts hier. J'ai appris qu'il savait faire des passes téléguidées à la Luka Modric. Les gars, c'est incroyable. Magnifique la passe, magnifique. Tony Martinez, la vie de ma mère, je vais finir sur toi. T'as été incroyable. Hey, c'est pas pour rien qu'on t'appelle le sauveur. T'es un putain de joker. C'est incroyable, les gars. Vous avez vu ce mec? Oh, il est rentré, je crois, là, je sais même pas, frère. 75. Oh, 75e minute, je crois, la 77, il a marqué, les gars. La vie de ma mère, c'est incroyable. En plus, avec le cœur sur la main, la vie de ma mère, c'est un truc de fou. Ça se voit, il est trop gentil, ce mec. Ça se voit, les gars, ça se voit. Et pour finir, non, je finis quand même avec Conceição, les gars. Zaïdou, la vie de ma mère. Zaïdou, hier, t'as fait un bon match. Fallait que je le dise, les gars, fallait que je le dise. Il a même failli marquer, les gars. Il a même failli marquer. Oh, la vie de ma mère. Même en faisant le ramadan, les gars, il a failli marquer. Oh, fais le ramadan toute l'année, tu seras meilleur. La vie de ma mère, c'est vrai. Et pour finir, les gars, Conceição, les gars, quel entraîneur, les gars. Quel entraîneur peut s'asseoir à sa table, les gars. Là, il y a une table actuellement. Il y a une table, les gars. Quel entraîneur peut s'asseoir à sa table et lui dire, je suis meilleur que toi? Personne, les gars. Personne. La vie de ma mère, il va gagner la coupe. Et les gars, on aurait dû gagner l'Europa League. On aurait dû gagner même la Champions League, les gars. Je vous rappelle qu'on a été éliminés sur un coup du sort, les gars. La vie de ma mère. Un coup du sort et on est sortis, les gars. La vie de ma mère. À cause d'un arbitre de merde. La vie de ma mère qui nous a refusé un but face à l'Atlético de Madrid. Je vous le rappelle, les gars. Sinon, sur la vie de ma mère, on serait à la place de Liverpool à cette heure-ci. On sera en demi-finale, les gars. La vie de ma mère, c'est la vérité. La vie de ma mère, qu'on sait ça, ouais, toi t'es daron, il doit se tenir à carreau aussi. La vie de ma mère, je sais pas si avec Pépé, vous n'avez pas des liens de parenté, c'est incroyable. Vous êtes les deux mêmes, vous souriez jamais, la vie de ma mère. Hier, on avait gagné, même pas, il a lâché un sourire. Tout le public clamait son nom, même pas, il a lâché un sourire, les gars, c'est un truc de fou. La vie de ma mère, mais je crois c'est ce qu'on aime, les gars, moi personnellement, c'est ce que j'aime. Des mecs trop gentils, des joueurs trop gentils, on n'en veut pas, les gars, on n'en veut pas. Mais attention, les gars, c'est la bonne. C'est de la bonne colère, comme on dit, les gars. C'est pas des coups, c'est pas des trucs, c'est pas de la bagarre, les gars. On est intelligent sur le terrain, on est intelligent à l'extérieur, on est intelligent de partout, les gars. La vie de ma mère. Donc voilà, les gars, merci à tous. Et pour finir, les gars, oui, les gars, pour finir, pour bien fêter ça, pour bien, t'as vu, conclure cette vidéo, conclure cette magnifique soirée qui était hier soir. J'ai pas pu faire des briefs avant, les gars. Désolé. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Je suis obligé, les gars. Je suis obligé. Oh là là, je sens qu'il va y avoir des dingueries, les gars. Oh là là, misère de misère! Ouais, j'ai plus de tympan, les gars. J'ai plus de tympan. La vie de ma mère est... Ça suffit. Ciao!